Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Lorsque la violence gagne du terrain dans un groupe et que la paix souhaite être retrouvée, l'humanité a toujours fait appel au bouc émissaire. Animal, humain, peu importe, il endosse la responsabilité et porte ainsi la culpabilité de faits dont il est innocent. Il devient une victime expiatoire dont personne ne souhaiterait la place. L'injustice est la base de cette désignation. Serions-nous prêts à vivre l'affaire Dreyfus à sa place? Cette expression très connue et dont tout le monde comprend le sens trouve son origine dans un rite de la religion hébraïque. Dans la Bible lévitique, nous pouvons lire que le prêtre d'Israël posait ses deux mains sur la tête d'un bouc. De cette manière, tous les péchés commis par les Juifs étaient transmis à l'animal. Ensuite, il était chassé du village, errant dans le désert, pour expier les péchés. René Girard, anthropologue, historien et philosophe français, nous offre bien plus qu'une expression, il nous offre une théorie autour du bouc émissaire qui nous révèle bien des choses sur notre condition humaine. Pour lui, bien plus qu'une expression, le bouc émissaire devient le système interprétatif global visant à expliquer le fonctionnement et le développement des sociétés humaines. D'où naît la violence dans les sociétés? Quel en est le ressort fondamental? Comment les sociétés arrivent-elles à perdurer malgré la violence engendrée? Voilà les questions auxquelles le philosophe répond dans sa théorie. Tout d'abord, pour activer la théorie du bouc émissaire, il nous faut considérer une autre théorie, celle du mimétisme. À l'origine de toute violence, le désir mimétique. C'est-à-dire d'imiter ce que l'autre désire, de posséder ce que possède autrui, au point de déclencher des pulsions violentes pour obtenir son appropriation. Ne nous y trompons pas, l'individu désirant a l'illusion que son envie est motivée par l'objet de son désir. Pour exemple, un objet ou une personne, mais en réalité, son désir est suscité fondamentalement par un modèle qu'il jalouse. Et ça, c'est l'envie. Contrairement à ce que nous pouvons penser, nous ne savons pas ce que nous désirons. Ce n'est qu'après coup que nous donnons un sens à notre choix qui devient alors l'objet de convoitise, effaçant tous les autres. Le désir est donc indirect entre le sujet et l'objet. Il fonctionne de manière triangulaire, en ce sens qu'il passe par un médiateur ou un modèle, par exemple un modèle de société. Prenons l'exemple d'enfants regroupés qui se disputent avec une quantité de jouets suffisante. Cela démontre que le désir ne s'attache pas à la valeur de l'objet, mais ce qu'il représente pour l'autre. Dans le monde publicitaire, la théorie du mimétisme est à son apogée, avec pour exemple le dernier iPhone. Il ne suscite pas l'envie de l'objet, mais le désir de le posséder pour être à jour sur le mimétisme ambiant. De ce désir mimétique, René Girard en déduit l'origine de la violence généralisée. Lorsque deux individus convoitent le même objet, ils se battent ou s'entretuent. Parcourez les œuvres de Shakespeare, Don Quichotte ou tant d'autres et vous constaterez que le désir est souvent une envie de copier un modèle. Aussi, lorsque désir, modèle et rival se dessinent, l'homme est souvent tenté de dissimuler son désir de façon légitime, même s'il s'agit d'une utopie. René Girard nous dit dans son ouvrage « Seul l'être qui nous empêche de satisfaire un désir qu'il nous a lui-même suggéré est vraiment objet de haine. Celui qui est, se hait d'abord lui-même, en raison de l'admiration secrète que recèle sa haine. Afin de cacher aux autres et de se cacher à lui-même, cette admiration éperdue, il ne veut plus voir qu'un obstacle dans son médiateur. Le rôle secondaire de ce médiateur passe donc au premier plan et dissimule le rôle primordial du modèle religieusement imité.
Dans la querelle qui l'oppose à son rival, le sujet intervertit l'ordre logique et chronologique des désirs afin de dissimuler son imitation. Il affirme que son propre désir est antérieur à celui de son rival. Ce n'est donc jamais lui à l'entendre qui est responsable de la rivalité, c'est le médiateur. Pour masquer sa brutalité, le sujet mimétique s'empressera de justifier ou de légitimer ses actes avec ruse en faisant passer le modèle pour l'imitateur. C'est ainsi qu'intervient le désir via le mécanisme de rivalité qui amène à la violence. Prenons l'exemple en 2012 aux États-Unis d'une sortie d'une paire de Nike qui a suscité gaz lacrymogène et arrestations musclées. Cette ambiance apocalyptique pour une paire de Nike montre le désir mimétique et la violence suggérée. À ce rythme-là, nous pourrions nous demander comment l'humanité a-t-elle survécu à tant de violences générées par ce que possède l'autre. C'est à ce moment-là qu'entre en scène le bouc émissaire. Comment se fait-il que la puissance du désir mimétique universellement prouvée ne nous ait pas encore tous dévastés? Ici réside la seconde intuition de René Girard qu'il a résumée dans un livre appelé « La violence et le sacré ». À partir d'une relecture des mythes ancestraux, il s'aperçoit que la même histoire est à chaque fois racontée, à savoir la neutralisation de la violence par le sacrifice d'une victime appelée bouc émissaire. Une fois de plus, René Girard revient sur une conception fausse de nos croyances. Le sacrifice d'un animal serait nécessaire pour calmer les dieux ou encore pour tester la foi des croyants. Pour le philosophe, le sacrifice n'est pas une affaire religieuse, mais bien une affaire humaine. L'animal n'est pas sacrifié pour satisfaire les dieux, mais pour mettre fin à l'hémorragie de violence qui frappe le groupe. La victime joue à la fois le rôle de pansement et de paratonnerre. De pansement parce qu'elle va recueillir en sa seule personne toute l'agressivité diffuse et soigner le mal, et de paratonnerre parce qu'elle sera remobilisée sous forme symbolique chaque fois que la communauté replongera dans la violence. Le bouc émissaire humain choisi n'est pas n'importe lequel, et dans son choix réside la réussite de l'apaisement populaire. La victime choisie doit correspondre à certains critères. Tout d'abord, la victime doit être à la fois distante du groupe pour pouvoir être sacrifiée sur la place publique, mais sans que chacun ne se sente visé par cette brutalité et en même temps assez proche pour qu'il soit relié à notre propre colère. Prenons le cas de l'animal dans la tradition hébraïque. Il est différent par sa qualité d'animal, mais à la fois semblable par son caractère domestiqué. Bien évidemment, le groupe doit ignorer que la victime est innocente, sinon cela neutraliserait l'effet recherché. Le bouc émissaire présente souvent des qualités extrêmes, très pauvre, très riche, très beau, très laid, et tant d'autres choses. Pour terminer, la victime doit être consentante afin de transformer le délire de persécution en vérité consensuelle. Dans les mythes, c'est souvent un prisonnier de guerre, un esclave, un mendiant. Le sacrifice du bouc émissaire permet donc d'évacuer l'agressivité collective, il sert d'exutoire et sert à ressouder la communauté autour d'une paix retrouvée. Pour René Girard, le rite sacrificiel est donc une violence ponctuelle et légale dont la fonction est d'opérer une catharsis des pulsions mauvaises, catharsis, mot grec signifiant séparation du bon avec le mauvais ou purification, sur une victime indifférente à la communauté parce que marginale. De cette théorie, René Girard en déduira que ce comportement humain cyclique qui est généré par le désir se fait tôt ou tard sentir. À chaque crise mimétique, quand l'homme ne se reconnaît plus dans le modèle, il retombe forcément sur des boucs émissaires. Maintenant que nous avons parlé de cette théorie, réfléchissez et essayez de définir les différents boucs émissaires dressés dans le passé proche pour de nouveau créer paix et cohésion au sein du groupe. Ce processus, né de notre désir de ressembler à l'autre par mimétisme, est intégré à notre fonctionnement, aussi pour sortir de cette compétition mimétique et éviter d'avoir à sacrifier qui que ce soit, il est important de maîtriser ses désirs. Une fois de plus, nous retombons sur cette fameuse sobriété nécessaire aux humains pour vivre en paix. Je vous invite à connaître un peu mieux René Girard si vous souhaitez approfondir cette notion de bouc émissaire et son origine, qui pour le philosophe vient du sacré. Dans une formule fulgurante, il nous dira « Le sacré, c'est la violence ». C'est tout pour aujourd'hui,
excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça pas Green, oui. Green, comment? Super green. Aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, tu vois? Mais tu vois, green, absolument. Green.